m'appelle Jean-François Cabot, je suis pharmacien en hôpital au 6 de la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre, en Méganie. Je pense que la première raison, c'est vraiment que la région, c'est la vie. C'est un challenge de voir quelque chose de différent, de faire quelque chose de différent. Pour moi, l'esprit de communauté qui règne ici, c'est fantastique. Les gens sont fins, on connaît tout le monde. C'est une atmosphère vraiment différente que ce que j'ai connu avant en travaillant, puis en étudiant à Montréal, puis Québec. Et puis, à un moment donné, justement, il faut sortir de cet endroit-là. Il faut sortir du béton. Après 5 ans, passer à Côte-des-Neiges, à un moment donné, t'as fait longtemps. Que j'ai un top 3 des conseils que je peux lui donner. Le premier, c'est la possibilité de travailler en établissement, d'avoir une meilleure idée de ce que tu vas vouloir faire. Et si tu veux vraiment justement aller vers la pharmacie d'établissement, si tu as la possibilité de choisir entre des stages de communautaire et d'hôpital, choisis l'hôpital, ça va toujours me paraître quand tu vas appliquer. Profite de tes stages en établissement pour apprendre. Oui, mais aussi, observe ton superviseur, qu'est-ce qu'il fait. Les rotations, les secteurs en pharmacie d'établissement sont diversifiés. Peut-être que tu ne vas pas, à ton premier stage, trouver le secteur que tu veux vraiment faire. Je t'invite à en faire d'autres, à aller voir ailleurs, puis c'est sûr que tu vas finir par trouver quelque chose qui te fait triper.